pour l'ouverture des spectacles estivaux à Baie-Saint-Paul, nous avons le duo de cirque poétique Ballade, suivi de Webster et 5-4 Trio en jazz hip-hop, Marius Girard et Jocelyn Tremblay en spectacle country. Bonne émission! Thank you.
sommes à la place de l'église avec le duo de cirque poétique Ballade avec Félix et Elisabeth. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous aimez Baie-Saint-Paul jusqu'à maintenant? Oui, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. J'aime toujours revenir. Qu'est-ce que vous nous présentez ce soir? Ce soir, on va présenter notre spectacle en version 45 minutes. C'est un spectacle poétique de théâtre physique fait adapté pour la rue. C'est et du cirque et de la poésie, beaucoup d'images. De la danse. De la danse aussi. Un petit peu d'acrobatie. Donc, c'est un peu tout ça mis ensemble dans un enveloppe où est-ce qu'on est là et on raconte certaines de nos... péripéties de voyage. Nos péripéties de voyage. Donc, c'est vos voyages personnels que vous allez exprimer de façon physique devant les spectateurs. C'est inspiré. C'est inspiré, OK. Pas complètement. Oui, c'est ça. C'est inspiré un peu de nos voyages personnels. Puis quel voyage, juste par curiosité? Quel voyage que... Oh my God! Ben, en fait, on a eu beaucoup de voyages respectifs. Moi, je suis allé en Inde, je suis allé en Australie, j'ai fait passer du temps en Asie, un petit peu en Amérique du Sud, en Europe. Donc, c'est tout un peu des inspirations que je suis allé chercher là-bas. Et également du côté du Mali, de l'Inde, de l'Amérique latine, puis Europe, Arménie. Est-ce que c'était des voyages de travail, des voyages personnels? Surtout des voyages personnels, en fait. C'est pour la découverte, pour aller apprendre la langue, rencontrer la culture, aller voir qui est là-bas et qu'est-ce qui se fait là-bas, parce que c'est tout un autre pan du monde qu'on souvent on connaît pas ou qui est super méconnu. Même chose pour moi, des voyages personnels, stages en soins infirmiers aussi, puis découverte, curiosité. De voir le monde. Est-ce que c'est votre métier professionnel? Vous êtes artiste de cirque temps plein au quotidien? Bien, artiste de cirque, c'est je ne répétais pas jusque-là, mais clairement, animateur, artiste de la rue, je dirais. Okay. Beaucoup des chasses, beaucoup de personnages, un peu de clown, un peu de musique, un peu de tout ce qui se fait dans la rue pour animer, soit dans des festivals, des municipalités, des places, des événements, des parties privées. Donc, ouais, il y a beaucoup de ça, du moins pour moi. Elisabeth fait aussi un paquet d'autres petites choses sur le côté. Effectivement. Donc, la danse, je me considère artiste multidisciplinaire. Donc, okay. J'allie l'acrobatie, les équilibres. Vous avez appris ça à l'école de cirque. C'est quoi votre parcours professionnel qui vous a mené à être aussi multidisciplinaire comme ça? Parce que c'est quand même impressionnant. Vous avez vraiment beaucoup de disciplines que vous faites partout en animation. J'ai commencé à faire de la gymnastique pendant 8 ans. Donc, okay. ma formation de base est en gymnastique. Ensuite, j'ai fait la danse de la Guinée, okay. Performé en spectacle principalement à Québec. Puis capoeira, donc j'ai toujours exploré le mouvement, ce qui m'a amené finalement à Montréal. Mais à Montréal, ce qui m'a amené, c'est un projet de maîtrise en santé communautaire. Donc, vraiment de partout, hein? Mais oui, vraiment, dans tous les sens, là! C'est ça. Puis j'ai rencontré Félix à Montréal, qui m'a introduit aux échasses. Ah oui. Et puis, par le fait même, en étant à Montréal, j'ai intégré programme en acrobatie avec le cirque, pas le cirque, mais la compagnie théâtre physique Dynamo Théâtre. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué à explorer le mouvement. Et pour toi, Félix, c'était quoi ton parcours professionnel? Moi, je viens du milieu de la musique. J'ai étudié en musique, en batterie. En fait, avant ça, même, j'étais en électronique. Donc, j'étudiais l'électronique. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour moi. Fait que j'ai essayé la musique, puis je sais pas comment ça. Quand j'ai fait mon audition au cégep, ils m'ont pris. Fait que j'étais le dernier, j'étais le moins bon de toute la cohorte, mais ils m'ont pris pareil. Fait que j'ai continué. J'ai fait 4 ans. C'était un deck en 3 ans que j'ai okay. fait en 4 ans. Après ça, j'ai pratiqué. Puis par intérêt, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à rencontrer des gens qui faisaient du cirque, des gens qui faisaient des performances dans la rue, aller jongler au parc. Fait que j'ai comme pogné un peu tout ça sur le fly, des amis qui me montrent comment ça fonctionne. Finalement, contact humain, on rencontre une personne, nous montre telle discipline. C'est fréquent quand même, hein, dans le milieu, surtout du cirque de rue, ce type d'apprentissage-là. Oui, ça se fait vraiment...
Oui, c'est ça. C'est vraiment dans le contact humain, vraiment dans comme « Ah, OK, c'est cool, hey, on va-tu passer un après-midi au parc? Ah, finalement, ça clique. Ah, finalement, ben, de fil en aiguille, on se retrouve à faire un contrat ensemble, peut-être deux après ça. Bah, » Vraiment des rencontres. Vraiment des rencontres, exactement. C'est vraiment, je trouve ça vraiment intéressant, ça. C'est ces rencontres-là qu'on a dans le milieu du cirque qui forment finalement l'artiste que tu es aujourd'hui, bien, que tu es toi aussi, Elisabeth. Là. Mais dans le fond, dans la vie de tous les jours, pour n'importe quoi, c'est un peu ça. On le voit beaucoup dans le cirque comme ça, mais pour n'importe quel autre domaine, c'est aussi les rencontres qu'on fait qui nous amènent à être capable de pouvoir avoir telle spécificité ou tel poste ou tel... Se découvrir soi-même aussi. Là. Et se découvrir soi-même, exactement. Mmh. Ben oui. Puis tantôt, vous parlez de votre spectacle comme du théâtre physique, un cirque poétique. Pourquoi ce choix-là, comme spectacle de rue, qu'est-ce qui vous inspire et qui vous donne le goût d'aller vraiment vers cette voie-là, là, de plus avec votre corps, vous exprimer avec votre corps? Il y a comme deux choses que je pourrais dire par rapport à ça. La première étant que dans la rue, on n'en voit pas beaucoup de spectacles muets. Il n'y a pas beaucoup de spectacles qui sont... Comme théâtral, mais... Qui sont plus théâtraux. Il y a beaucoup de comme, « Hey, venez voir, je fais tel truc. » Puis là, on... Okay. Bon, les spectacles de rue, pas se ressemblent tous, parce que c'est vraiment pas ça, mais disons qu'on sort un peu du cadre en faisant quelque chose qui est plus lent, mais en fait, c'est pas vraiment lent, mais qui plus est... Plus subtil, peut-être. Plus subtil, plus en marge. Donc, on dit pas un mot, c'est sur la musique, et on ne fait que bouger. Donc, c'est pour ce théâtre physique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments au niveau du spectacle? Toi, j'imagine que c'est plus la danse, tu me parlais de ça, gymnastique-danse qui te prend... Mais en fait, c'est naturel, le mouvement. Ouais. Donc, tout passe par le corps. La façon d'exprimer, pour moi, c'est d'être dans le mouvement. Donc, après, il y a des accessoires qu'on a introduits, okay, avec lesquels on bouge aussi. Okay. C'est tout naturel. Il y en a que c'est l'écriture plus la peinture. Quand je ressens quelque chose, ça passe par le mouvement. Puis voilà, le choix de faire un spectacle en théâtre physique, c'est fait naturellement. Est-ce que vous avez des prochaines dates de spectacle qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe pour Ballade dans les prochaines semaines? Pour Ballade, dans les prochaines semaines, déjà la semaine prochaine, on va jouer à Laval. Puis on a plusieurs journées de cet été comme ça à Laval. Et on en a quelques autres qui m'échappent au courant de l'été qui nous amènent jusqu'en septembre. Fait qu'il nous reste à peu près 5 dates. Comme une tournée toute l'été, un peu partout au Québec. Bien, le spectacle, on le tourne à quelques reprises pendant l'été. Ensuite, on a d'autres spectacles, chacun de notre côté. Ensemble, qui sont vraiment d'autres choses qu'on fait aussi, qu'on va tourner pendant l'été. Fait grosso modo, on se retrouve à quand même pas chômer. Est-ce qu'il y a un site Internet que les gens peuvent avoir plus d'informations sur vous s'ils souhaitent vous suivre? On a un site Internet qui s'appelle feliximbeau.com, qui est facile à trouver. C'est feliximbault.com. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être là. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps avec nous, d'avoir parlé de votre carrière et tout ça. Puis je vous souhaite un excellent spectacle ce soir, puis de vous amuser. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bienvenue dans ce projet hybride jazz et hip-hop. Ok, mettez vos mains comme ça dans les airs, tout le monde, que ce soit tranquillement, pas haut. C'est hip-hop aujourd'hui avec cette balle, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Cours, chaque jour au marathon, t'es prêt à tout pour le trône de Manastanis Baratheon. Pense, qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier? Parce que tu paieras toujours un prix, c'est laisser son âme devant le greffier. C'est laisser sa vie un combattant dans un kéfier qui regarde une montagne, abandonne ça la défier. Hein? Le courage ne peut se greffer, ne laisse pas la chance entre les pas de lièvre ou bien de trèfle. Et garde les rêves pour quand tu dors. Pense à un objectif, t'es le reine, Marie, tu dors. Car le processus est sanglant, difficile, sans plan. Le long du chemin, faudra semer bien plus de sanglant. Et un station apparaîtra, faisant un vaisseau amérable, bâtir la foi une cathédrale. Mais tu es dans la nef, et c'est contempler le trajet. Premier récif abandonné, se contenter des naufragés. Ah, yo, ma mère, on se doit de manger. Mais j'ai refusé la merde que leur table a langée. La place qui nous réserve, ça s'apparente au plancher. C'est qu'à fin de s'affranchir, ne faut jamais plancher. Ma mère, on se doit de manger. Mais j'ai refusé la merde, faire nos tables allongées. La place qui nous réserve, ça part en tout plancher. C'est qu'à peine de s'approcher, ne faut jamais plancher. Il faut work, il faut work, il faut work. Laisse une marque avec une plume, encore plus avec un feu. Il faut work, il faut work, il faut work. Souligner ta bourse et d'or, viens la laisser blâmer neutre. Il faut work, work, il faut work, il faut work, work. Va-tu laisser ton cerveau être mené par la meute? Il faut work, il faut work, il faut work. Les idées fourmillent dans ton esprit une émeute. Ça fait combien de temps, je n'ai pas vu l'un de mes bros. Puis je m'accorde une pause, je vais rappeler par la cause. La ligne est droite, je me sentis viré à gauche. C'est pas que je suis froid, mais c'est une relation au froze. Ni les 100 kilos, je m'ai déchiffré la clause. Peut-être que le travail me rapproche la névrose. Une révolution m'appelle, on se reverra en névrose. Le succès devrait se calculer au nombre de gens que tu négliges. Plus tu chantes, plus tu t'éclipses.
Le poids est lourd, certains l'avouent du bout des lips. Vois les jours s'accumulent, faisant le tour à une ellipse. Les pieds sont tard, je révolutionne tout bonnement. Y'a ceux dont l'action est brève et les autres qui parlent longuement. Ils veulent abaisser les fondements, désavouer la base et étouffer les formes. Ce n'est pas car les intentions sont formelles, on peut le deviner, le jour comme misé dans le forme. À force de vouloir reviser la formule, perdre la substance, fait les épuiser une part nulle. Nulle, que leur âme est discordue, ne restant plus le vent ni la brise sur leur corps nul. Je dis, y'a plus rien de subtil et se contente de plus ou plus encore de subtiliser. Tout le monde, j'ai déjà dimanché, mais je refusais la merde. On les bras dans les airs comme ça. Tout le monde, 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 tout le monde. Hey yo, ma main, on se doit de manger, mais je refusais la merde, y'a notre table allongée. La place qui nous réserve, ça part en tout plancher. C'est qu'à faire les approches terres, ne faut jamais plancher. Nous sommes avec Webster et Sylvain Saint-Onge. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Merci. Vous allez nous offrir un spectacle ce soir vraiment, je pourrais qualifier d'innovant, je dirais, parce que c'est un mix de deux styles, un mariage de deux styles musicaux particuliers. Donc, le jazz, un instrumental progressif en fusion, et le hip-hop. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu de ces styles-là. Pourquoi vous faites ce style de musique-là? Oui, bien, en fait, de notre côté, 5-4 Trio, ça fait depuis 2011 qu'on fait de la musique ensemble, puis on aime toutes sortes de musiques, en fait. Puis le jazz, ben, on l'a étudié à l'université ensemble, les trois, Jean-François Gingras, Mathieu Rancourt et moi. Puis qu'est-ce qu'on trouvait le fun là-dedans, c'est qu'il y a une certaine liberté où on peut improviser, puis justement aussi, il y a une porte d'entrée vers l'intégration de d'autres styles de musique dans ce qu'on fait. Fait que à la base, on aimait ça, mettre des petits bouts de rock, des bouts plus... autant des bouts de jazz que des bouts de classique, que du funk, du fusion, tout ça. On mélangeait les styles. Fait qu'après ça, ben, ça a été assez évident de pouvoir faire un mix avec le hip-hop, ce qui se voit quand même de temps en temps dans le jazz en ce moment, mais on a décidé de faire notre propre recette avec Webster. Donc Webster, c'est quoi pour toi le hip-hop? D'où ça vient au Québec, surtout, l'histoire? Oui, ben le hip-hop ou le rap en tant que tel vient des États-Unis, mais ça fait depuis les années 80 que c'est présent au Québec. Et moi, je fais du rap depuis 1995. Je suis un des pionniers de la scène hip-hop à Québec. Et le rap, pour bien comprendre, le rap, c'est un mouvement littéraire. R.A.P., en fait, c'est un acronyme qui veut dire rythme et poésie. Rhythm and poetry. Donc, il y a une base rythmique, mais c'est aussi axé sur la profondeur du texte. Et donc, c'est le type de rap. Mon école de pensée vient vraiment d'une époque où le rap était travaillé, le texte était travaillé avec une grande profondeur, des niveaux de compréhension. Puis toi, à ce que je comprends, c'est que ton cheval de bataille, c'était la francophonie, c'était faire rayonner notre Québec, notre histoire au travers de tes paroles. Ben, c'était pas tant un cheval de bataille que quelque chose s'est fait tout simplement par défaut. Dans le sens que je suis quelqu'un qui écrit, qui travaille la langue. Je veux dire, la langue est l'outil de l'écrivain. Et donc, pour ma part, de travailler cette langue-là m'a permis de voyager partout dans le monde, dans la francophonie et ailleurs, soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, toujours à faire du rap en français, à donner des ateliers d'écriture en français. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, tout simplement d'une manière artistique et culturelle. Et bien sûr, puisque bon, je suis passionné d'histoire, ben, l'histoire n'est jamais loin aussi. Puisque le français fait partie de notre quotidien, ben, c'est sûr que c'est mis de l'avant quelque part. Effectivement, tu es vraiment un artiste pluridisciplinaire, écrivain, historien, musicien. Ça fait vraiment quelque chose qui est très intéressant au niveau de ta musique. Puis au niveau de tes textes qui sont engagés justement, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, donc l'écriture, la musique en tant que telle, pour moi, c'est un véhicule à travers lequel on peut passer toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'engagement ou de pensées. Donc, pour ma part, quand j'ai réalisé l'impact qu'avaient les textes et la musique sur les gens, c'est là que mon rap est devenu plus engagé. Donc, ça permet de justement contribuer à changer des mentalités. En dehors de juste faire des discours, en dehors des théories, que ce soit académiques ou politiques. C'est une contribution au même titre que n'importe quel politicien ou que n'importe quel... Oui, et la différence, c'est que il y a un enrobage qui est plus intéressant, qui est la musique. Donc, c'est pas une espèce de message sec qu'on passe, comme « Ah, aimez-vous les uns les autres, admettons », ce qui est déjà moins sec que plusieurs politiciens. C'est Mais tout de même,
ça permet de passer, que ce soit un message ou encore, juste dans mon cas, l'histoire. Pour parler de l'histoire de la présence afro-descendante ici, pour parler d'esclavage ici, à travers la musique, ça permet aux gens d'apprendre à propos de cette histoire-là, en dehors de venir suivre une conférence ou un tour guidé. Mais en fait, justement, tu abordes le sujet. C'est quelque chose que tu offres, toi, les tours guidés qui parlent justement de l'histoire de l'esclavage à Québec, aussi des ateliers d'écriture, tu en parles beaucoup. C'est vraiment des projets qui sont très, très, très intéressants que tu fais, je pense, tout le long de l'année. Hein? C'est pas uniquement tu fais des spectacles, tu mélanges un peu tout ça. Oui, je touche à toutes sortes de choses, c'est-à-dire que j'ai l'aspect spectacle, mais aussi je donne beaucoup d'ateliers d'écriture dans les écoles, ici puis à travers le monde, sur l'utilisation créative du français. C'est-à-dire comment utiliser le français différemment, voire s'amuser avec le français. Parce que souvent, les jeunes dans les cours de poésie, bon, ils voient la rime, la métaphore, la comparaison, puis ils trouvent ça assez difficile à suivre. Mais quand un rappeur qui vient leur parler, qui leur explique tout ça, tout d'un coup, ils comprennent le jeu qu'il peut y avoir, l'aspect ludique derrière l'utilisation de la langue. La créativité qui est possible. Exactement. Oui, vraiment. Exactement. Et pour ce qui est des visites guidées, je donne ça environ du printemps jusqu'à l'automne. Je fais pas ça l'hiver parce que il fait froid, c'est plate, là, on a tous envie que ça finisse vite. Donc l'été, on peut prendre le temps. Et donc on fait le vieux Québec pendant environ 2 heures et on parle de cette histoire de la présence noire ici depuis l'époque de Champlain, qui est une chose qui est méconnue, mais le premier Africain à vivre à Québec arrive en 1629. Il s'appelait Olivier le Jeune, c'était l'esclave de Guillaume Couillard. Et donc, on parle de présence noire, on parle d'esclavage aussi, d'esclavage noir et d'esclavage autochtone qui a lieu sous les régimes français et le régime britannique. Mais toi, en fait, c'est quelque chose que tu as étudié, mais que tu n'as pas nécessairement vécu, dans le sens que... Non, je n'ai pas vécu d'esclavage. Ce que j'ai lu, c'est que tu te définissais comme un Québécois sénégalais pur laine, comme en blague, là, parce que je pense que tes origines de ton père... Ben, en fait, c'est sénékeb métis pur laine. Okay. C'est-à-dire que mon père est du Sénégal, ma mère est de Québec, de Limoilou. Et donc, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, et c'est une histoire que j'ai jamais vue. L'histoire de cette présence noire-là, j'ai jamais vu ça, ayant étudié l'histoire jusqu'à l'université. Donc, c'est quand ils n'ont jamais abordé le sujet dans tout? Zéro. Pour vrai? Zéro. À nulle part, je l'ai su après l'université. Et donc, c'est là que quand j'ai découvert cette histoire-là, ça, j'ai comme ouvert une brèche qui est devenue un canyon. C'est-à-dire que je me suis engouffré dans cette brèche-là, puis je me suis nourri beaucoup de tout ce qui se faisait à ce propos. Puis je me suis dit que maintenant, il faut partager cette histoire-là, il faut la démocratiser, il faut que les gens puissent la comprendre, ça pénètre notre conscience, notre inconscience collective, afin de pouvoir changer la vision qu'on a de notre passé, incidemment de notre présent et de notre futur. Notre identité. Oui. Ça fait partie de l'identité québécoise. Ça fait partie de notre identité. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tellement de manières diverses de partager cette histoire-là, le rap. Les visites guidées, les conférences. Présentement, j'ai une exposition au Musée des Beaux-Arts à propos des esclaves en fuite, les esclaves de Québec qui s'enfuyaient. Donc, pour montrer justement la diversité de notre passé. Oh, c'est vraiment des beaux projets. Merci. Je trouve ça vraiment fascinant que votre groupe 5 Fort Trio, qui est un groupe instrumental, ait trouvé une sorte de voix, a fait un projet ensemble. Je trouve que c'est tellement une idée fantastique que vous avez eue, là, vraiment. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là, entre vos deux projets? Bien, en fait, comme je disais tantôt, étant donné qu'on avait une ouverture à intégrer d'autres styles de musique dans ce qu'on faisait, on avait rencontré Webstar, puis on avait envie qu'il fasse partie de notre deuxième album, Garder l'attention, donc on l'a invité sur une des pièces. OK, ça a commencé, exactement. C'est une collaboration. Fait qu'il avait juste fait une petite apparition dans l'album, un petit une minute, où on y avait demandé d'écrire quelque chose, il est venu en studio, il a enregistré ça. Puis il était venu à notre lancement rapper ça, puis ça a tout de suite connecté, c'était super le fun. Puis Webstar nous est revenu avec cette idée-là, là, de faire vraiment un album complet avec cette idée-là, cette dynamique-là. Puis c'est là qu'on s'est mis à plancher là-dessus, on a écrit de la musique, Webstar a écrit des textes, on a vraiment essayé de travailler du mieux qu'on pouvait pour garder nous notre identité d'une part, puis d'inclure Webstar là, à avoir sa place à travers ça, parce que, étant donné qu'on est habitué de faire de la musique instrumentale où on dit beaucoup de choses, on interagit beaucoup entre nous. Vous improvisez un peu dans votre exact, musique. On improvise beaucoup, fait qu'on était habitué de communiquer ensemble les trois, mais là, en ajoutant Webstar par-dessus ça, nous, on est super buzzy, si je peux dire, dans qu'est-ce qu'on joue. Puis là, il y a Webstar qui arrive avec ses textes super riches, puis là, on comprend plus rien si tout est livré en même temps. Fait qu'il a fallu faire une place à Webstar, avoir des parties instrumentales là où on peut justement sortir notre solo. Exactement. Peu, là, qu'est-ce qu'on ressent, fait que ça a été vraiment un travail de recherche. On a travaillé pendant 2 ans sur ce projet-là pour vraiment s'assurer
s'assurer que tout était cohérent puis qu'on avait vraiment, on formait une identité de, avec notre projet. Donc, vous partiez de ces textes, après ça, vous l'écoutiez puis vous essayez d'agrémenter de musique ou au contraire, vous avez vraiment votre musique? Oui, c'est ça. Bien, en fait, on a composé la musique puis Webstar, bien, pour la plupart des chansons, Webstar, après ça, il apportait ses textes, mais après ça, on a quand même pris le temps de fignoler tout ça. On a simplifié des choses, exactement. C'est pour ça que ça a été long, parce que ça s'est fait, ça s'est pas en trois temps. Il y avait la musique premièrement, le texte, puis après ça, il y avait ce qui était l'arrangement là, pour que tout ça fusionne ensemble. Puis en même temps, vous avez tous vos projets individuels aussi. T'sais, comme Webstar parlait de ses projets personnels d'écriture, mais ça a aussi vos albums, vos spectacles. Oui, exactement. T'sais. Puis on est des musiciens aussi qui jouent dans d'autres contextes, dans d'autres projets. C'est ça aussi, exactement. C'est un bon défi quand même. Quand on arrive à tout à mettre nos agendas en commun puis on travaille ensemble, bien, ça donne quelque chose de super intéressant, super stimulant pour nous. Puis on espère que le public aussi reçoive qu'est-ce qu'on a à offrir. Bien, certainement. Moi, je pense que ça va être vraiment une belle soirée surprise, je dirais, parce que c'est pas des styles de musique qu'on est habitué, mais en même temps, si on met l'oreille attentive, je pense qu'on peut voir tellement des images, puis écouter, puis être là, puis ça peut être vraiment un très beau moment. Oui, c'est l'objectif. Je pense que je souhaite à tous les auditeurs de passer un excellent moment, puis je vous souhaite aussi de vous amuser comme jamais sur scène ce soir. Merci et bonne écoute. Je peux baisser ma voix un peu, s'il vous plaît. J'aurais voulu faire des tunes simples, c'est agréable. Des refrains sur toutes les lèvres de L'Oréal. Mais yo, on sait tous que ce n'est pas le cas. Du rap aussi dense que la laine de l'alpaca. J'aime trop tisser les idées, sans que tu dégoûtes en souffle. C'est sûr, je peux pas les nez en la bouche et le palais. Les mots sont rois. Qui l'eût cru, qui nous ferait vivre tant d'émotions rois. Sous la vigne, t'es le murmure, déchiffrer la main, le hand, running sur le mur, nombre, nombre, fais et division. Un empire s'écroule où t'émerge la scission. Révolution, ça m'a tout l'air, tu l'as manqué. Un thumbs up, c'est pas un coup de pouce, sur le net, tu t'es planqué, au moins. T'as changé ta photo de profil, de penser c'est une prière. Et puis l'accent s'atrophie, imagine Jay sur Instagram ou bien Malcolm sur Twitter. Hashtag emoji, Sankara update son status. Mais bro, je crois qu'on a tué l'utopie. L'indignation virtuelle, on tourne en rond, t'es une toupie. Mais toutefois, sans même garder la balance, on dirait bien la fin de cycle, l'écho qui précède l'avalanche. On veut que ça change, sans vouloir casser les billets. Faire de la farine sans même qu'on casse le millet. Yeah. Et le courage, l'effrayable, tête baissée sur le sel, tant qu'on aura des free apps. Depuis que les yeux, ils ont quitté l'horizon. Toujours on communique, mais seulement s'il y a du réseau. Sont chiches comme le hummus, arrogant, gonflé, que du vent à des cornemuses. Old school, je shoot, arquebuse sur le terrain dans le mauvais sens. Facile, marque le but, s'agit surtout pas de compter à tout prix. La direction est forte, ce n'a tout, c'est compris. Ça prend du souffle et précision, une sarbacane. Prends ton temps, un peu y avance, ça passe à celle de sarbacane. D'où vient ta point à celle que c'est d'apprendre. La connaissance, elle agit aussi comme engrais. Avoir la force de narque, c'est des racines sur le cadre de porte qui lui-même sera passé le seul. Yo, la vraie victoire, elle est sur soi. Pourquoi la discurer à chaque fois, on l'a sur soi. À remettre à demain, on épuise le calendrier. Faut chevaucher la date, mettre le talon à l'étrier. Autoportrait, on se dépeint, tel le Rembrandt. Pour finir le reflet, y'a pas que la lumière qui rend bright. Noir et blanc, le top de cheveux, valide de tonique. Tout est dans la mesure, une part de jean pour de détonique. Yeah. On dit qu'une main lave l'autre, fait que suivre le programme. C'est comme le chien de Pablo. Ding! Spit of flows de la bave. L'ornier du fond, c'est comme l'extirpe du Népal. Des remontées, savoir grimper quand c'est hard. La vie elle est en pente parce que sinon ça serait plate.
déchirer, voir celle qui l'aime en train de danser dans les bras d'un étranger. Dans les honky-tonk le samedi soir, dans le fond de ma mémoire, je vois ma vie se dérouler. Mais où est-elle, celle que j'ai aimée? Mais où est-elle, celle que j'ai mariée? Toutes mes chums en train de fêter dans un bar où ce qu'il y a du country, ils me payent les verres pour me faire oublier la plus jolie des femmes, celle que j'ai aimée. Dans les honky-tonk le samedi soir, dans le fond de ma mémoire, je vois ma vie se dérouler. Mais où est-elle, celle que j'ai aimée? Mais où est-elle, dans les honky-tonk le samedi soir? Oh yeah! Merci, merci beaucoup! Nous sommes à la place de l'église avec Justin Tremblay qui va performer ce soir avec son groupe de 4 musiciens. Bien, écoute, oui, on est tellement contents d'avoir Justin. Ben moi aussi, ça me fait un énorme plaisir parce que dans le fond, ça fait 4 ans, là, je ne sais pas trop. Oui, ça fait quelques fois. Ouais. Tu es venu aussi il y a 4 ans à la Saint-Jean-Baptiste, oui, je pense. Oui, on a fait la Saint-Jean-Baptiste, ouais, c'est ça, avec les groupes. Les Sabots du Nord, en oui, passant. Oui, c'est ça. Effectivement, les Sabots du Nord. Ouais. Mais ce n'est pas la même formation qu'il y avait il y a 4 ans, en fait. Les Sabots ont, comme, ils ont développé, je pourrais c'est dire. C'est ça. Le cheval a changé de sabot, si ouais, on peut dire ça. Alors, toute part de l'écurie, c'est sûr, avec les Sabots du Nord, qui est le nom de mon écurie. Mais avec les groupes, présentement, ben, on fait de la musique rétro, de la musique country, plus moderne, avec les, on s'est adapté un peu si on veut jouer puis chercher un public qui est un peu plus jeune, là, c'est sûr. Fait que c'est ça. Puis le groupe vient d'à peu près partout. Ben, partout ici, dans Charlevoix, ou même Paul, le guitariste, est de Sacré-Cœur. Oui, mais Paul était là la première oui, fois. Effectivement. Oui. Paul, ça fait, je pense, 6 ans qu'on joue les deux. Assez souvent, on va jouer tous les deux, Paul et moi, lorsque c'est des soirées plus tranquilles. Où, tu sais, ah oui, vraiment en formule duo? Oui, en formule duo. Puis lorsque c'est durant un souper ou dans les hôtels un peu partout dans la région. Puis c'est ça, une formule plus relaxe ou formule feu de camp, si tu veux, ou quelque ouais, chose comme ça. Mais au point de vue orchestration, ben, les deux autres musiciens viennent de Chicoutimi, soit Régent et Gaston. Peux-tu nous les présenter? Quel instrument ils font exactement? Ben, Régent joue de la contrebasse professionnelle parce que lui, il gagne sa vie avec ça. Ça fait qu'à Chicoutimi ou dans le coin, il accompagne tous les grands artistes qui vont là ou à peu près, puis il fait beaucoup de jazz. Maintenant, ben, c'est sûr que quand je lui demande de venir avec nous autres, il dit « je peux pas dire non oh. ». Parce qu'on a tellement de fun ensemble, puis c'est ça. Puis Gaston, ben, c'est ça, est un gars à sa retraite aussi, qui a fait de la batterie, du drum toute sa vie. Okay, c'est un musicien de formation. Oui, c'est ça. C'est des musiciens de formation, définitivement.
Mais des passionnés encore. En fait, ils ont pris leur retraite, mais pas vraiment. Ils s'amusent encore à des petites formations. Je pense qu'on joue plus qu'on jouait lorsqu'on travaillait ou tout ça. Là, définitivement, je te dirais, comme là, vendredi passé, j'ai monté à Chicoutimi pour pratiquer avec eux autres. OK, c'est ça, parce que les répètes, c'est pas évitable. Si vous venez pas tous de Charlevoix, ça veut dire que des fois, vous y allez à Chicoutimi, des fois, ils viennent ici. Oui, puis des fois, on monte à Sacré-Cœur chez Paul, parce qu'eux autres, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Baie-Saint-Paul, Sacré-Cœur. Fait qu'on se rejoint là. Puis on fait une journée, si tu veux, plaisir, là, de musique et de... De retrouvailles. Ah, c'est le fun. Vous avez tous des salles de musique dans vos résidences? Oui, bien, Paul, chez eux, comme chez nous, avec une salle de musique. Puis à Chicoutimi, c'est vraiment un studio, t'as l'impression d'être ce qu'on a pratiqué dans un bar. Mais c'était un musicien professionnel. Fait que j'imagine que lui, c'était vraiment important pour lui d'avoir un espace dans sa maison pour ça. Mais c'est complètement dehors de sa maison, ce qu'on a pratiqué. Ah oui? C'était, je te dirais... pas une boutique, mais c'est chauffé à l'année, puis c'est un atelier. Mais c'est à lui? C'est à lui. OK. Puis il a converti son atelier. Écoute, il y a des machines à boucan, il y a des systèmes de lumière. C'est vraiment un passionné de dessin, là. Il y a un bar dans ça, quand on rentre, on a l'impression, on voudrait pas jouer, tu sais. On jaserait qu'on prendrait un verre. Mais regarde, c'est des bonnes journées, c'est sûr que c'est agréable. Tout à l'heure, j'essaie de te parler des styles de musique. Dans le fond, on connaît tes albums. Ton premier album, Ma vie... La vie à ses bons moments. La vie à ses bons moments. Ouais. Et le deuxième album? C'était, si tu veux, La vie m'a donné. Parce que, dans le fond, c'est tout en rapport avec ce que j'ai vécu. Deuxième album, c'est toutes des compositions. Fait que j'ai repris quatre sur le premier album qui étaient des compositions, les autres interprètes. Mais dans le deuxième album, c'est tout... Ce soir, est-ce qu'on va en entendre quelques-unes? Non. Non, c'est vraiment là, style musique variée. Interprète, c'est ça. À partir de Zaz pour les plus jeunes, aller virer jusqu'à, je te dirais, l'incendie à Rio. Fait que vous êtes vraiment... Le ya-ya. Vous gardez l'origine un peu rétro, un peu dense, mais vous y allez vers du nouveau. C'est intéressant quand même. Oui, parce que je te dirais, si tu regardes ça au fil des temps, les chansons qui sont restées, qui ont marqué, on essaie de trouver les chansons qui ont marqué diverses époques. Qui se démodent pas, là. Puis qui, c'est ça. Alors, les classiques que tout le monde connaît, comme Aline, tout le monde connaît ça. Tu sais, quand on joue ça, à soir, on la joue pas, mais je veux dire, tu sais, c'est magique parce que, justement, j'ai fait un restaurant durant le temps des fêtes, une petite anecdote en passant. Puis, je jouais à Aline, que tout le monde connaît, sur le sable, tout ça. Fait que quand je passe, il y avait un couple, parce qu'avec le micro sans fil puis la guitare, fait que le gars, il dit, elle s'appelle Aline. Fait que moi, je commence, tu sais, écoute... Tu l'as invité sur le stage? Non, j'étais à terre à travers eux autres. Là, je voyageais à travers les tables avec ma guitare sans fil. Le gars, il dit, elle s'appelle Aline. Fait que là, je m'installe presque à genoux, puis tu sais, Aline, j'y chante ça, puis tu sais... OK, théâtrale. Aline, elle a eu son spectacle privé. Privé. Mais à la fin, il dit, elle s'appelle pas Aline pantoute. Oh, ça a comme brisé la magie un peu. Fait que je recontinue. Puis quand je repasse, je rejoins Lucille de Kenny Rogers. L'autre couple à côté, il dit, elle s'appelle Lucille. Elle dit, une fois, c'est assez, là, tu sais. Puis elle s'appelle-tu vraiment Lucille? Ben, je ne sais pas. D'accord, on ne l'a pas suivi, pas de fin. L'histoire ne le dit pas. Ben, fait que peut-être que ce soir, il y aura des petites anecdotes avec les chansons, là. Ben, ça se peut. Ça se peut. Dans le fond, on a fait un programme d'une trentaine de chansons. Mais, tu sais, je veux dire, s'il y a des demandes, puis... on en connaît tellement dans ça qu'on l'envoie. On peut s'attendre à danser, on peut s'attendre qu'il y ait des demandes, ça se peut. Il faut être polyvalent. Regarde, on jouera ça live, là, c'est correct. Bon, bien génial. On te souhaite un excellent spectacle. Peut-être que le vent se calme un petit peu, là, ça pourrait vous aider. C'est plus difficile, là, mais ça va bien aller. Au moins, il ne pleut pas puis il fait beau. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres spectacles là, qui s'en viennent pour toi? Ben, j'ai fait le casino le 24. Puis là, on en fait un peu partout, là, mais avec le groupe comme ça, là, ça va aller juste à l'automne. Parce qu'après, on monte vraiment un spectacle de danse, puis c'est ça, on veut redescendre. Spectacle de danse. Oui, c'est ça. C'est votre nouveau projet. Musique de danse, là, vraiment, c'est ça. OK, bon, on va suivre ça. On va suivre ça. Merci beaucoup, Jocelyn, puis je te souhaite un excellent spectacle puis de ta musique. Merci beaucoup. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flop. Avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous pour un flop. Avec toi.
flirter, quitte à faire des modèles pour un flop. Avec toi, je pourrais me donner pour un seul baiser volé, pour un flop. Avec toi, d'avoir été avec nous pour l'émission d'aujourd'hui. La Ville de Baie-Saint-Paul offre des spectacles gratuits tous les vendredis et samedis du 5 juillet au 17 août. Donc, les vendredis, c'est de 19h et 20h. À 19h, nous avons un spectacle de cirque. À 20h, un spectacle de musique. Et les samedis, dès 19h, nous avons des spectacles de musique. Venez nous voir. On va avoir un excellent été. Pour la suite de l'émission d'animation Baie-Saint-Paul, ce sera le 26 et 27 juillet avec le lancement du Symposium d'art contemporain et d'autres spectacles que vous pourrez avoir les entrevues avec les artistes et voir des prestations. Merci.